Je crois qu'il y a très clairement sur la santé, mais c'est vrai sur la justice, c'est vrai sur la poste, c'est vrai sur les transports, c'est vrai sur les services publics en général. Il y a eu une intervention très importante sur la volonté gouvernementale de faire disparaître les départements. Cette aspiration, c'est que le service public, c'est chacun en fonction de ses besoins. Et donc le service public, c'est typiquement une situation qui est un moment de résistance vis-à-vis de l'individualisme, vis-à-vis de la financiarisation, c'est la possibilité de pouvoir partout sur le territoire avoir la réponse adaptée aux besoins. Et moi, j'y rajouterai une dimension. Les services publics, c'est aussi la notion de l'ayant droit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est commercialisable, c'est bien une notion de droit. Et donc, pour les droits, les communistes, nous sommes vraiment à la pointe du combat.